L'armée sénégalaise, une des principales contributrices en soldats et policiers à la force de l'ONU chez le voisin malien, a affirmé maintenir son niveau de participation à la MINUSMA, répondant au principal opposant sénégalais et candidat déclaré à la présidentielle, Ousmane Sonko. En Sierra Leone, le principal parti d'opposition a exigé une enquête indépendante sur la mort d'un de ses membres, en lien avec des émeutes meurtrières survenues la semaine passée dans un communiqué reçu jeudi. Les pompiers en Algérie ont annoncé vendredi avoir maîtrisé la totalité des incendies qui ont ravagé le nord-est du pays, faisant au moins 38 morts et environ 200 blessés, laissant place à un mouvement de solidarité pour secourir les familles sinistrées. En Afrique du Sud, le nouveau roi des Zoulous, souverain coutumier le plus puissant du pays, sera couronné samedi dans le plus grand secret, après une querelle sans fin pour la succession au trône du légendaire peuple du ciel.